Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Stray. On est dans une zone un peu glauque. Ouais. Ça me fait penser à une boss fight. Je sais pas pourquoi. Surtout qu'on n'en a pas eu depuis le début du jeu. Peut-être que je me trompe. Oh non. Arrête! Allez, course-poursuite! Bon, ça va, c'est pas une boss fight. Mais du coup, on n'en aura peut-être pas du jeu. Donc, on peut rien faire. Rien du tout. Juste on court. Okay, on va pas. Bon, en fait, on me dit un peu où aller. Hein, vous voyez, là, si je peux pas aller à gauche ni à droite. Allez, caméra. Oh, bordel. Allez, 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 allez. Impeccable. Parfait. C'est trop mignon. Ah. Il faisait noir, j'étais seul. C'est comme si j'étais revenu dans le réseau. Mais tu m'as sauvé, merci l'ami. Fournir autant d'énergie a épuisé mon cœur. Le défluxor est complètement détruit maintenant. Ah bah non. Va devoir faire attention. Comment ça complètement détruit? Ah ouais, complètement détruit. Bon. Alors forcément, si c'est à droite qu'il faut aller, mon esprit de gamer me dit contradiction va à gauche. Ok, c'est bon. Je croyais que je pouvais passer par en dessous. Ah bah oui, en fait oui. On a, putain, cette caméra, on a de la place ici. Juste ce qu'il faut. Hey! Quitter. Baladin. Un voyageur venant des égouts. On n'avait pas vu l'un des vôtres depuis les lustres. C'est toi qui nous as contacté un peu plus tôt, petit extérioriste. Ce Balthazar l'extérioriste, t'attendais, il est en train de méditer au sommet de notre village. Super! La fourmilière. Donc c'est un autre village. Cette machine, le scientifique dont j'étais l'assistant, en utilisait une comme ça. Il était malade, c'était son dernier espoir, il est rentré dans la machine. Mais je ne l'ai pas accompagné, il était seul. Que faisait-il? Il s'est envoyé dans l'ordinateur et tout a changé. Il y a eu un problème lors de l'envoi, il est resté bloqué dans des centaines d'années. Jusqu'à ce qu'un petit chat apparaisse. Ça y est, ça te revient? C'était moi le scientifique, c'était moi. Bon, c'était assez prévisible, pour le coup. J'étais humain. J'ai besoin d'une pause. Ok. Salut. Je suis désolé. Ok. Pas tout de suite. J'ai pas envie de parler pour l'instant. Non, mais moi, je veux parler aux gens. T'es relou. Alors attends, parce qu'on peut monter aux arbres. Ouais, non, il faut continuer, pas par l'arbre. Hein. C'est peut-être un raccourci. Prendre fleur violette. Eh ben oui. Ok.
Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sur la bonne branche. Bah, en fait, j'ai pas trop le choix. Bon, j'ai besoin de lui pour stocker certainement, du coup, il veut pas. Alors, il peut se faire les griffes, il veut pas parler. Bon, faudra explorer la ville dans tous les cas. On va nous juste se concentrer sur notre objectif. D'aller chercher le Balthazar. Qu'ai-je oublié d'autre? Il doit bien avoir des papiers. Je voulais ouvrir la cité, mais reste-t-il seulement quelqu'un à sauver? Je sais pas, écoute. Ah, je peux pas monter. Ok, ça a l'air d'être lui. Il est câblé. Qu'est-ce que c'est? Et tu ignores qu'on n'interrompt pas quelqu'un en pleine séance de méditation transcendantale? Ah, c'est toi, tu étais avec Momo quand on a reçu cet appel. Je suis heureux de faire enfin ta connaissance. Tu connais Momo et Doc, alors tu nous connais aussi. Ils nous manquent leurs souvenirs. Ils me manquent, leurs souvenirs m'apportent la paix. Momo est resté dans les taudis et j'ai entendu dire que tu l'avais aidé à trouver Doc et Clémentine. Elle est au centre-ville maintenant. Si tu veux toujours voir l'extérieur, c'est elle qui pourra t'y amener. Apparemment, elle avait une sorte de plan pour quitter la ville. Tiens, prends ça, j'ai écrit son adresse au dos de cette photo. Pour allier le centre-ville, montre dans notre petit village. Un petit être aussi agile que toi, ça ne devrait pas être compliqué. Si tu parviens à atteindre l'extérieur, tu seras le premier. Je te souhaiterais bien bonne chance. Mais tu n'en as pas besoin, je crois en toi. Merci. C'est pas grave. Je suis humain, sans doute le dernier au monde, et regarde ce qui reste de moi. Tant de souvenirs remontent à la surface, combien en avais-je oublié? Peut-être qu'en trouvant Clémentine, on pourrait restaurer ma mémoire et te faire rentrer chez toi en même temps. On peut redescendre pour obtenir d'autres renseignements auprès des compagnons. Ou poursuivre direction du centre-ville. Donc là, c'est là pour descendre. Ouais, je parle un petit peu. C'est pas bon, j'ai compris. Ok. C'est trop rigolo, il s'excite. Allez, on descend. Là, je peux faire dodo. Je vais faire de la balançoire aussi. Alors. Bien le bonjour. Ok. Je veux juste retrouver l'arbre de tout à l'heure. Isaac. Qui pionce? Il est là. Vraiment pas aller sur la branche de gauche. Ouais, ça il me faut lui. Ok, qui voudra d'une fleur? Je sais pas. Ça c'est le peintre. Mais plusieurs nuances, nana, brin camelot. Ok. Vous jouez à quoi? Je peux plus leur parler du coup. Je raffole de l'odeur de la peinture. D'accord. Toi, t'es qui?
Sorès. Ok. Ah, on cherche Clémentine. Personne ne me parlait de Clémentine, m'a dit gna gna gna, centre-ville. Si je lui demandais à lui. Ouais, je l'ai vu. On monte au centre-ville. Il fallait monter? Oh purée, quel gland! Comment ça? Comment je monte moi? Je suis pas là. Ah, une fleur jaune. Ok. Ouais, quelqu'un qui voudra des fleurs. Mais qui? Ah, c'est par là. Et maintenant? Ah, il peut aller sur les bambous là. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il y a la flèche. Salut? Bah lui il doit aimer les fleurs, non? Tu savais. Merde. J'en ai une énorme collection, tu veux la voir? Il me manque une. Petit Agile pouvait m'aider à les trouver. Il veut des fleurs? Ouais. Je crois que j'ai l'autre. J'adore cette couleur, merci l'ami. Tu pourrais me trouver l'autre? Bah, on verra. Là, j'en ai pas. Pour continuer de monter. Il y a un truc pour descendre, un truc pour monter. Ah non, il y a une peinture. Il y a un truc de peinture. Ah, c'est peut-être pour le faire tomber. Non mais je veux aller en face. Bah si, si, de là. Je t'ai pas demandé de descendre en fait. Et je l'ai vu. Yes. Du coup, qu'est-ce que... Ça met un peu de couleur. Je m'ennuie. Bah tiens, nettoie. Tante Clémentine faisait classe ici, on a appris plein de trucs sympas. Ok, je vais aller la chercher. Elle t'a appris comment faire le ménage? Ça peut être vachement utile. Ah bah dis donc. Attends, il y a peut-être une fleur à récupérer là, non? Non. Et maintenant... Ouais, fallait aller en face. Et ben voilà. On est sorti de la fourmilière. On pourrait y retourner. Mais j'en ai pas là. Qu'est-ce qui se passe?
Regarde, c'est une station de métro. Ouais. J'avais complètement oublié que ce moyen de transport avait existé. On pouvait aller partout en ville. Les gens s'en servaient pour aller au travail. Je le prenais aussi. Chaque matin, après avoir dit au revoir à ma famille, chez moi. Ouais. Je me rappelle, c'est pour eux que je le faisais. Mais ils sont partis maintenant. C'était il y a longtemps. C'est un peu triste, hein? Il y a un fond de tristesse dans tout ce que disent ces personnages. Ils voulaient voir l'extérieur, mais est-ce que ça a encore quelconque importance? Que leur est-il arrivé? Que sont-ils devenus? Eh bien, je sais pas. On va chercher. Enfin, on approche, on a une photo d'elle, on peut la montrer aux compagnons du secteur, ils nous mettront peut-être sur le bon chemin. Alors. Ah oui. Ça a l'air d'être par là? Ouais, on peut descendre. Hop. Oui. Qu'est-ce que tu fuis? Et ils sont pas très causants. Pacificateur, veuillez décliner votre identité. Coopérer, nous allons devoir transférer en prison. C'est rigolo. Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire en bas, moi? Ok, c'est pas par là. Cool, on est arrivé au centre-ville. Et maintenant, faut chercher Clémentine. On va commencer par lui. Lui, ça. Chez NecoCorp, on travaille toute la journée. Et puisqu'on parle de l'étage inférieur, ça ferait un petit moment qu'on n'a plus de nouvelles. C'est une jolie photo, ça. Et c'est une adresse au dos. Le premier symbole est une rue. Puis c'est un étage et un numéro de porte. Ok, merci, gros. C'est trop cool ici aussi. Ils vendent des vêtements. Ah, trop cool. Qu'est-ce que je peux faire du coup? À part faire tomber la plante? Rien. On continue, on va voir un hologramme. Oh, c'est la folie, hein, par contre, la découverte de cette ville. Je m'attendais à un petit truc et ils ont vraiment fait les choses en grand. Ah. Poisson, poisson. Non. À tort. Désolé, la boutique est fermée. J'attends les livreurs, mais ils n'ont pas l'air pressés. C'est quoi cette photo? Ah, je la connais. C'est une des personnes totalement obsédées par l'extérieur. Ouais. Ok, merci. Ce plan vous est offert par la chaîne Klegan. Ok. Voilà, un bon sommeil réparateur. Parce que bon, un chat quand même qui dort pas 18 heures par jour n'est pas vraiment un chat. Est-ce que je peux voir l'objet? Ouais. Examiner. Comment on tourne? Ok. Ah voilà. Il a dit adresse et étage. Symbole, adresse, étage. Quartier en gros. Ok, 3 points verts, 5 points rouges et un espèce de no. Ah no. Cool. Et maintenant il faut les 3 points verts, 5 points rouges. Ouais, c'est sur les portes. 3 points verts, 5 points rouges. Ah, ça doit être l'étage. Oui, c'est ce qu'il disait. Premier, deuxième, troisième. Non? Comment je monte?
Troisième étage, et donc on cherche les 5 points rouges. 2, 3, 4. Mais là, je redescends. Ouais, non, non. Évidemment, le cinquième appartement, il est caché, sinon c'est pas drôle. 4, 2, 1. Mais il était à côté du 4, en fait, hein. Juste que je l'ai pas vu et que les portes sont condamnées. Je passais à côté. Et voilà, on est arrivé. Ouais, c'est un peu bordélique, Clémentine, hein. C'est trop stylé. Par contre, elle a un super goût de la déco. Parce que c'est très stylé, ce côté un peu loose, parterre et tout. C'est vrai, Clémentine, on se détend. Je t'avais pris pour une sente, laisse tomber, t'es qui? Qu'est-ce que tu veux? Je veux te montrer une photo de toi. Attends alors, Balthazar, c'est résolu à envoyer quelqu'un. J'imagine que tu es ma nouvelle recrue. Tu n'es pas bien gros. Comment as-tu fait pour franchir les égouts? Tu dois être bien malin. Je cherche un moyen d'accéder à l'extérieur depuis que j'ai quitté la fourmilière. Mais les sentinelles ne relâchent pas leur surveillance. Puisque tu es là, tu peux te rendre utile. Suis-moi. Regardez, c'est pas trop stylé? Les petites plantes vertes. Ah, il y a un truc à faire tomber. C'est son lit et tout, mais c'est trop bien. Moi aussi, je vais mettre des toiles genre en mode cabane. Bon, par contre, les bougies sous les textiles, c'est pas une bonne idée, mais. Trop cool. C'est vraiment très très stylé, hein. A beaucoup de goût. Suis-moi, elle est où? J'imagine qu'elle est sortie par la porte, non? Ok. Elle est où? Non mais c'est bon, je sais gros. Je viens de la voir. Elle est où? Parce que ça, c'est sa porte d'entrée, du coup. Tu crois qu'elle m'a dit suis-moi et qu'elle est montée et que je l'ai même pas vue? Putain, voilà, je me suis laissé appâter par la déco. Elle était là, en fait. Bah, c'est une des robots qui a le plus de plantes. Je vais remonter, je vais voir. Ça c'est pour dormir. Attends, si je le rappelle maintenant, il va me dire quoi. Il faut trouver. Ah non, pff, toujours pareil. Where are you, Clémentine? Elle est sortie, c'est pas possible. Mais elle est sortie par où? C'est elle? Non, pas vraiment. Je suis complètement paumé. Alors, je pense qu'en fait, elle a pas dû sortir. Elle voulait me montrer un truc chez elle. C'est pas possible. Alors, je suis pas allé là. Si, salle de bain. Ben voilà, c'est là que je suis pas allé. Je prépare un plan pour utiliser ce vieux métro depuis un bon moment maintenant. J'ai même les clés pour commencer. Il ne nous manque plus qu'une pile atomique pour l'alimenter. Ben ça va. Je sais que Neko Corporation en cache une dans son usine. J'ai un contact qui pourrait nous aider à nous infiltrer.
J'ignore son nom, c'est le robot qui porte une veste bomber et une chaîne en or. Porte-lui ce message. Quelqu'un d'aussi petit et vif que toi ne devrait avoir aucun problème pour se faufiler à l'intérieur, et ne t'approche pas des sentinelles. Ok. Un bomber, c'est une chaîne en or. Et j'ai vu un gars un peu stéréotype cliché en bas là. Regardez-le lui. Ouais, pas de chaîne en or. Mais il y a de... Bon, tant pis. Ah, une casquette, une cassette. Oh. Ok, il m'en donne si je le débarrasse. Bon, je m'en fous un peu. Bomber, chaîne en or. Ben voilà, hein. Après tout. Alors, ben, ce qu'on peut faire, je pense, c'est aller au magasin de Bomber. Pas par là, du coup, comment on sort d'ici? Et puis on verra. On verra bien. Il était pas très loin là, le magasin. Et puis il y a même un mec qui m'a dit Nérocorp. Il a un bomber. Ils en ont tous en fait. Hein. Pas de chaîne en or. Il y a un videur. Le club est fermé, dégage. Il y a, à mon avis, il y a tellement de secrets. Enfin, ça a l'air d'être complètement optionnel. L'idée d'aller. De rentrer là-dedans quand même. Il y a plein d'objets à chercher et tout. Enfin, c'est pas un gros jeu, mais ils ont rajouté du contenu quand même un peu optionnel qui est assez sympa. Il est où le magasin de vêtements? Je suis complètement paumé. Ah, il y avait lui. Ok, donc j'avais continué. Et j'avais dit, ah, il y a des vêtements. Voilà, c'est à gauche. Occupé, qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que... Où est-ce que t'as eu ça? C'était lui. Ah, oh, tu es avec les ex... Mon contact? Je vais t'expliquer pour la pile atomique. Explique-moi. Chaîne en or, par contre. Cette pile alimente Nécocorp, qui est tout prêt, mais tout le secteur est interdit et lourdement gardé. Il fouille tout le monde et refuse quiconque. Ok, mais moi je suis pas quiconque. Mais j'ai une idée, trouve-moi une veste d'ouvrier et un casque d'ouvrier pendant que je reste ici. Pour découvrir le bon moment pour entrer. Alors, on a vu un mec travailler là. C'était lui. Ouais, j'ai vu la possibilité de monter. Je vois pas pourquoi il y aurait ça tout en haut. Ah, mais on est derrière en fait. Attends. Ils sont malins d'avoir mis le premier que le premier bot. Le premier PNJ, pardon. C'est un PNJ qui dit hey, je travaille à Nérocop, comme ça quand il faut y aller, bah tu. C'est à peu près. Je peux lui shooter son casque à lui. Coucou. Désolé mon petit, tu ne peux pas jouer par ici. L'usine Nécocorp n'est pas un endroit pour des petites boules de poils comme toi. L'accès est interdit. Faut que je rentre là-dedans. Je sais pas trop, je sèche un peu. La porte n'a pas l'air là. Elle est ici. On peut se mettre dans le carton? Solid Snake.
Bon, bah je sais pas trop. Cadenas. Ok, bon, de toute façon, on va se garder ça pour le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci et à bientôt pour la suite des épisodes du Petit Chat. Ciao!